C'est un nouveau départ que le programme d'appui au développement communal donne aux 22 communes des régions du littoral et du sud-ouest. Il est question d'accompagner les collectivités locales vers la voie du développement. C'est un appui qui renforce les capacités au niveau local. Donc c'est la population maintenant en tant que révolution dont vous parlez qu'on doit impliquer encore un peu plus. Donc c'est-à-dire cette phase se concentre sur l'implication de la société civile dans la planification communale, dans la mise en œuvre des différents plans communaux. Après les régions de l'Ouest et du Nord, les maires des deux régions sélectionnées sont prêts à tirer profit des formations du PRADEC. Avec ces programmes, on va améliorer la manière que nous faisons nos programmes, le budget et même la réalisation. Et ça va nous aider à activer la population à travers les séminaires pour les faire comprendre pourquoi ils doivent payer les impôts. Nous allons pouvoir mettre en place un système de maintenance des infrastructures, un système d'accompagnement, d'équipement dans les zones périurbaines. Le partenariat entre les 22 communes choisies et le PRADEC s'étendra jusqu'en 2023.